these hotels, and I'm gonna take you traveling the world. I gonna love you, yeah, I'm gonna love you. I'll give you the hope of what I've got, fancy finds, baby, I have not. Just gonna love you. Salut, je m'appelle Julien Fabreau, j'ai 27 ans et ça là, c'est le truc qui me fait le plus kiffer au monde. Un skate électrique. En gros, c'est un skate avec un moteur. Mais le Graal a un prix. Les skates électriques sont chers. Trop chers, même. Alors j'ai utilisé ma chaîne YouTube pour proposer un premier deal à une marque il y a 2 ans. Ça a été mon premier skate, le Acton Blink S2, 28 km/h et une très bonne patate. Un an après, j'ai reçu le Hellwing Board, petit skate d'une marque française sur papier. C'était prometteur, léger, rapide, mais ça manque cruellement de patates. Puis il y a quelques mois, on m'a proposé de produire du contenu pour Boosted Board, le ténor du marché des skates électriques, en échange de thunes et d'un skate de mon choix. Je peux vous dire, il a pas fallu me le dire 2 fois. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un des produits qui me fait le plus kiffer, que j'ai attendu depuis très longtemps. J'ai nommé cette chose, le Boosted Board. Et autant vous dire que je l'ai depuis 3 mois et je n'ai jamais autant kiffé un produit tech de toute ma life. iPhone compris, Mac compris, et c'est déjà pas mal. Alors, je sais que vous attendiez cette vidéo depuis très longtemps, donc j'ai mis un peu de temps à la faire. J'ai eu le temps de tester bien comme il fallait la planche. Je l'ai roulée dans toutes les situations, aussi bien sur le bitume que sur la terre, que dans les pavés. Je l'ai pris en voyage. Je pense que j'ai fait 1000 à 2000 km avec, parce que je l'ai vraiment poncé. Je l'ai pris tous les jours pour faire à peu près 30 km, donc c'est pas mal. Et je l'ai tellement testé que maintenant je dois changer un roulement parce qu'ils ont pris la flotte et bref. Tout fonctionne bien mais ça fait un peu de bruit, donc c'est pour ça que dans la vidéo vous allez peut-être vous dire ça fait vraiment un bruit chelou. Alors chez Boosted on a 4 produits phares, maintenant 5 parce qu'ils ont sorti une trottinette. Mais on a la Boosted Mini S, on a la Boosted Mini X, on a la Boosted Plus et on a la Boosted Stealth. Et c'est celle que j'ai, Stealth pour furtive et furtive pour ce doux coloris noir, gris et des petites pointes d'orange par-ci par-là. Mais en tout cas, c'est la board la plus puissante de Boosted et c'est un truc de psychopathe, les gars. Alors, la petite dame, elle coûte quand même 1699$, donc c'est pas à la portée de toutes les bourses. Moi, je l'ai pas acheté, en fait, j'ai bossé avec Boosted, ils m'ont contacté au début de l'année, ils m'ont proposé un projet à Paris, puisqu'ils avaient une campagne à réaliser dans la capitale française, et du coup, ils voulaient que je crée du contenu pour eux en marque blanche sur de la photo, de la vidéo, il y avait un petit peu d'influence, donc vous avez peut-être dû voir des photos et des stories sur Instagram si vous me suivez. Si c'est pas fait, je vous laisse le faire, il y a des trucs très très cool, vous allez voir. Et du coup, en échange, donc j'ai été rémunéré puisque c'était une prestation professionnelle, et ils m'ont dit bah tu peux choisir n'importe quel skate parmi notre gamme. Et je peux vous dire que il n'a pas fallu me poser 50 000 fois la question, j'ai pris le modèle le plus puissant, donc la Boosted Stealth, et au niveau des caractéristiques, c'est un truc de ouf. On a une autonomie
quand on utilise les modes un peu plus tranquilles, on peut aller jusqu'à 20 ou 22 km d'autonomie, ce qui est pas mal. On a 5 modes, dont un mode exclusif à cette planche. Normalement, il y en a 4, et là, moi, je l'appelle le mode diable, puisque c'est vraiment, mais n'importe quoi, vous avez un couple qui est assez impressionnant. D'ailleurs, la première fois que j'ai testé, ça a donné ça. En plus, j'avais l'habitude de skate, quoi. On a une vitesse maximum de 38 km/h, bordel, 38 km/h. Alors, en France, il y a une loi qui est passée d'ailleurs qui bride quand même pas mal l'utilisation du skate électrique. 38 km/h en France, normalement, c'est pas autorisé. On a une capacité à monter les côtes de plus de 25% avec une facilité déconcertante et bordel, que c'est incroyable. Et dernière caractéristique qui me fait ultra kiffer, c'est le deck. C'est un deck en composite qui est super flex, c'est-à-dire que vous pouvez faire du trampoline dessus, ça ne se cassera jamais. Et franchement, pour en plein ride, pour l'absorption des chocs, pour l'absorption des nid de poule ou des trottoirs, c'est franchement incroyable, puisque ben, on a l'impression que la planche est montée sur ressort. Et comparé à un Acton Link S2 où c'est hyper rigide, ça change quand même pas mal et ça participe au plaisir de ride. Parlons un petit peu de la puissance, parce que c'est quand même ce qui fait la force de cette planche. Allez, viens là toi. Putain, franchement, Gaël a du souci à se faire, parce que je pense que je passe plus de temps avec toi qu'avec elle. Non, je rigole. Bon, c'est vraiment sur la puissance qu'elle casse vraiment la baraque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une vitesse qui est de 38 km/h. Dans les faits, je l'ai testé plusieurs fois, on va même un poil plus vite. Ça dépend si on est en descente, s'il y a du vent, etc. etc. Mais en vrai, la rider, c'est un bonheur, ça peut être dangereux. Donc les gars, mettez un casque, c'est hyper important. Maintenant, à chaque fois que je la prends, je mets un casque. Chose que je ne faisais pas toujours, et finalement, tu prends compte que tu sois à 10, 15, 20, 30, voire plus, c'est quand même assez dangereux. Il suffit qu'une caisse arrive, qu'un piéton déboule ou qu'une caisse vous freine devant vous pour qu'il y ait des conséquences dramatiques. Donc voilà, be careful, ride safe et surtout portez votre casque, bordel. Du coup, voilà, 38 km/h, c'est un truc de dingue, ça a une patate vraiment, mais c'est genre exceptionnel. J'ai fait un petit test entre les trois portes que j'ai. Alors, c'est trois planches de différentes gammes de prix. Et ça vous donne un petit aperçu de la puissance qu'est capable de libérer la boutique. Parce que déjà à l'époque, avec la Acton Link S2, j'avais vraiment l'impression de voler. Ici, t'as vraiment l'impression d'avoir un avion de chasse, quoi. C'est incroyable. Si on compare les trois skates entre eux, on voit clairement que le Boosted, c'est un petit peu le papa de la bande, c'est-à-dire qu'il est plus gros, il est plus lourd, il est plus puissant, et là on a vraiment affaire à un longboard plutôt qu'à un skate électrique. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué quand on se le trimballe à la main. Yes, parce que en fait il traîne par terre et il est tellement lourd, il pèse un peu plus de 10 kg, que bah, c'est très très encombrant et on a juste envie d'une chose, c'est le mettre par terre et de rouler. Du coup, vaut mieux plutôt bien gérer sa batterie, sinon on se retrouve réellement dans la galère. En tout cas les amis, cette planche est source de kiff, source de bonheur pour moi. Vous le savez depuis très longtemps, le skate électrique, c'est vraiment le produit tech qui me fait le plus kiffer, c'est celui qui m'apporte le plus de plaisir. Avec cette Boosted, j'ai vraiment l'impression d'avoir un produit haut de gamme qui est bien fini, qui est bien conçu, parce que c'est quand même la troisième génération de Boosted. Donc les gars font plutôt bien leur taf, surtout c'est un petit peu à l'américaine, hein, c'est un petit peu comme Apple, mais genre tour, t'as de la doc, t'as télécommande qui est bien rangée, t'as 50 000 accessoires, etc. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc voilà, je peux que vous recommander d'acheter cette planche. J'ai pas de lien d'affiliation, j'ai pas de code promo, donc je vous laisse faire votre tambouille pour essayer de trouver la planche à meilleur prix. Il y a quelques revendeurs en France. Il y a le site Boosted qui est disponible sur internet et sur lequel vous pouvez acheter. Il me semble que la livraison est un petit peu chère, je ne me suis pas trop renseigné. Mais en tout cas, je reconnais que c'est assez cher. Il y a d'autres marques qui sont très cool, genre Acton, ils font du taf de ouf. Les planches sont moins chères.
chez Hellwing aussi. Mais voilà, après ça dépend vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez de la puissance? Est-ce que vous recherchez quelque chose qui est léger? Quelque chose pour juste vous aider au dernier kilomètre? Vous sortez du métro pour aller au boulot? Bref, il y a 50 000 choses, mais en tout cas les trois que j'ai en ma possession sont vraiment cool. Hellwing, Acton et Boosted, et je vous recommande les trois. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Un grand merci à Cinematic Flow parce que les images épiques du début, c'est eux qui me les ont faites. On est allé tourner hier dans les petites routes et c'était incroyable. Donc merci à vous les gars. Je vous laisse mettre plein de pouces bleus, posez-moi toutes les questions et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les amis, à très vite. Ciao. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.